Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Salut aux nouveaux arrivants. Salut Sam, salut Shizuka. Merci pour le follow, merci, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petit live cuisine. Je suis pas du tout, j'ai pas mis mon petit. Je disais bien que j'avais oublié quelque chose. On va changer ça tout de suite. Oui, c'est pas World of Warship, hein. C'est cuisine, hein. Voilà, j'espère que c'est bon. Allez, on va passer en live cuisine. Salut, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu mon petit t-shirt. Il va manquer un peu de lumière, on dirait. Hop là. Ah, mais qui c'est qui a éteint l'eau? Alors, voilà. Petit t-shirt Z Event reçu ce jour. Leçon de cuisine, qu'allons-nous manger aujourd'hui? Bah, leçon, c'est une bonne. C'est un grand mot, hein, leçon. Du coup, je profite tout de suite pour vous partager le lien des copains World of Warship. Et autre jeu. Salut mon cri-cri. Il est pas fonctionnel. Ah si, quand même. Si, quand même. J'espère que je lag pas trop. Je vais ouvrir là parce que ça fait un peu chaud. Hop. On va laisser le temps aux gens d'arriver tranquillement. Là, la musique n'est pas trop forte. Vous voyez bien les plans de travail. Vous voyez bien la zone de cuisson. Peut-être que la zone de cuisson, je suis peut-être un chouïa. Je vais baisser un peu. Hop, comme ça, vous verrez bien. Voilà. Sur ma tête, on s'en fout un peu. Préparer un peu le matériel. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ça a l'air d'être mieux réglé que la dernière fois. Il va donc. Eh, tu sais que je l'ai mis exprès, hein, parce que j'ai dit. Tigal, du coup, là, c'est en zoo coquino, c'est parti.
Et du coup, je vais couper le micro le temps d'une minute parce que sinon, on va l'entendre dans le micro. À moins que... Hey chef, ma gorgonzola qui revient, oui. Vas-y, tigale. Il y a Minkat en live, mais non, Minkat n'est pas là. Je vous mets leur lien, du coup. C'est eux qui m'ont fait le son, c'est les fonds. On va protéger ça quand même un poquito. Dommage de le salir dès le premier jour quand même. Bon, papy m'a dit qu'il y avait des trucs marrants d'écrit sur mon truc. Qu'est-ce qu'il y a? Ça dit quoi? Ça dit bon appétit dans toutes les langues. Hein. Bon. Est-ce que Madame Pamplemousse est présent? On répond. Elle est pressée là, Madame Pamplemousse. Ouais, mais est-ce qu'elle est là? Oui, il va devoir changer le truc, Lucas. Par exemple. Merci mon Kiki, merci pour les bits. Allez, on va préparer du coup notre petite farce pour nos nems au poulet. Est-ce que la musique c'est bon là du coup? Est-ce que la musique n'est pas trop forte? Déjà éplucher une carotte. Christophe, spécial dédicace, support pantoufle aujourd'hui. Salut JF. Hey, salut cousin. Comment il va? Je sais pas ce que ça donne avec un casque. Oh. Si pas, c'est que tu m'entendes. Ça y est, ça part en couille. Une carotte. Ah ouais, ça y est, tout de suite. Heureusement que Lucas il regarde pas ses dards. Il est sur la télé là, tout à l'heure il y a mis le live. Allez, on va commencer tout doucement. On va éplucher son œil. Hop.
je fais juste les plus chers. Hop. Je retire le gemme. Moi j'aime pas. J'aime pas le gemme. On va faire ça assez fin. Pas de la coupe non plus, hein. M'en fous, moi. Donc c'est bon dans le résultat. Après, je vais me frotter les yeux. Et heureusement que c'est un live plus de 18, hein. Heureusement que j'ai anticipé le truc. Hop. Pas trop, hein. Ça, c'est mon doigt. Carotte, on s'est plus l'oignon, c'est ça. Et là, ce titre est le jambon après, mon ami. Pour l'instant, il y a un peu de boulot quand même. Oh, c'est bien, je compte sur toi pour faire la police. Pour éviter que ça dégénère trop. Même si c'est toi qui es parti en premier. Allez. Allez, en deux. On va essayer de faire ça fort fin. Oh, hop. Hop là, pas trop gros. Sans réserve pour après. Un peu chaud même. Et les mecs, sérieux, un peu de sérieux, un peu de sérieux ce côté. Hop. On va voir quoi après pour les nouilles. Alors pour l'instant c'est simple. Un oignon. Allez, la moitié d'un petit oignon. Un peu d'ail. Voilà. Du coup, le temps que ça prépare, parce que je sais pas du coup, Madame Pamplemousse est-elle là pour finir? Est-ce qu'elle est là? Parce qu'on devait faire la recette en même temps.
Est-ce qu'il y en a qui est sur Discord et qui voit Pamplemousse connecté? En attendant, quelques petites infos par rapport au giveaway qui est en cours. Pas mal de jeux à gagner. De l'eau à gagner plutôt. Plus de 100 euros de l'eau sur la chaîne. Ma rap. Dommage, c'est que j'ai pas une vue. J'ai pas une vue sur les gens qui regardent. Si je mets Tchatian en route, est-ce que ça va aller? Je vais pas trop le mettre trop grand. Je vais bipper pour le sur Discord. Merci, Top. Pour l'instant, j'ai personne. Chatille en PLS. J'essaie de le redémarrer. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, je peux pas les voir sur le téléphone, c'est dommage, c'est très dommage. Allez, carotte. Enfin, moi, je mets 200 comme ça, moi. On va râper finement. On évite de se couper. Super. Elle a l'air de bien fonctionner, ma rap. Donc elle est morte. Ouais, elle va pas très bien. Je suis pas dans mon sens. Là, ça n'ira pas non plus. Ça comme ça. J'arrive pas à le bloquer. C'est pas bien. D'habitude, je fais pas comme ça, je mets un truc, mais. Faut pas beaucoup, on va pas en faire beaucoup si bien. Salut mon coco, voilà une demi carotte, ça suffira. On la gardera pour après. C'est un signe, mon ami. C'est un signe. Hop. Voilà. Aux choses sérieuses. Alors, ça c'est le mieux. Bon, pour taire la marque, hein. Vous savez ce que je viens de faire? Ça s'est pas vu peut-être, mais je viens de foutre
ma viande devant le micro en pensant que c'était la webcam. Hop. De la chair de porc. On va en faire beaucoup. C'est habituel. Je remercie Lao de m'avoir filé ce lien YouTube pour la musique. Ah, ça y est, je vois tout le monde. Coco Cédar, Christophe, le cousin, Sam Digital, Shizu. J'ai mis les mains Wizbot. Très bien. Hop. 209. Voilà, parfait. Je vous mettrai mon générateur tout à l'heure. Des paquets, ça fera des bonnes boulettes. Un jour que je vous fasse la recette des boulettes de ma maman, les boulettes d'archi. Moi, bon, c'est le frais du jour, j'étais le chercher tout à l'heure. Faut que je me lave les mains, je sais pas pourquoi ils vont être dégueulasses juste après. Du coup, ma petite cuillère, on va prendre la sauce. Nyoknam. Sauce Nyoknam. Ça sent le poisson. On va mettre deux cuillères. Voilà. Pas trop parce que c'est très fort. Je peux le ranger, rien qu'à l'odeur, je le sens déjà. On va mettre un peu de piment doux, parce que moi je peux pas trop mettre de piment fort, donc on va aller doucement. Voilà, pas de trop. La sauce soya. Une cuillère et demie. Hop. Et puis on va tout bien mélanger comme il faut. Et on y va. Bon, moi je fais avec les mains, vous pouvez faire avec une spatule en bois. Hein. Voilà. On va mettre une ziquette. Mon torchon bio. Hop. Un peu de sel. Enfin, moi j'ai pas de moulin. Hein, donc, hop, ça m'ancienne. Voilà, un peu de poivre.
Cassana. J'ai pas préparé. Bravo, Tringal. Un bon gros neuf. Il y en a, c'est des ouais. Hop. Voilà. Un neuf pour lier le tout. Hop, on casse. Ça va se lier, on viendra y incorporer ensuite les nouilles. Voilà, normalement j'aurais dû mettre cuire mes nouilles déjà, mais bon, c'est pas un drame non plus. C'est pas grave. Mais tu le fais, ça va cuire mes nouilles, non. Mais, vermicelle là. On va mettre ça au frais en attendant. Bon, l'idéal c'est de faire les vermicelles avant. On n'a pas une grosse erreur. Enfin, la fin du monde. En attendant, je vais préparer. Je peux pas te le dire, mais je vais préparer le poireau. Pour ces dards qui au boulot qui se fait chier. Ouais, je peux... Surveille mon robinet parce que. D'ailleurs, il s'est déboîté, j'ai eu de la faute partout, juste avant l'aile. C'est tout vert. Je le lave, mais je vais pas forcément m'en servir. C'est plus la partie verte qui va bien ensuite. C'est la poubelle verte.
Les vermicelles, les champignons noirs. Coco, il va. Non, Coco, c'est pas bien ça. Pas pour moi, là. Allez, champignons noirs déshydratés. Ça fait penser que j'ai oublié le champignon de Paris. C'est pas un drame non plus. Là, il en faut pas beaucoup. Ouais, ça suffit. Les vermicelles, pareil. J'ai fait, mais faut pas trop utiliser. C'est pas grave. Bonjour Miss Mill. Miss comment? Miss Millie du 72. Bien le bonjour. Merci à toi pour ton follow. J'espère que tu vas bien. On atteint bientôt la barre des 190 follow. C'est ouf. C'est dingue quand même. C'est dingue. Allez, on va mettre chauffer. Un petit peu de sel. Hop. On s'est pour réhydrater. Ça minute normalement. Dans l'eau pendant, ah ouais, 15 minutes. On va les aider un peu. Normalement, c'est 5, ce que j'ai pris, c'est 15. Bah, bravo, petit gueule. Hop. Ça, c'est 5. On va se préparer un peu d'eau pour après. Hop. La technique de la bouilloire. Mais là, j'ai fait des pâtes. C'est Madame Coco. Bonjour Madame Coco. Tu vas bien Madame Coco? Et mon gars, il dit, mais tu m'échauffais ton eau à la bouilloire? Ben, je suis bien sûr. Et j'ai jamais pensé. Ah, gagne le temps mon ami. Gagne le temps. Je viens de voir un truc pas cool. Hop. Oh. Méfiez-vous, ça peut arriver à tout le monde. Eh ben dis donc, coucou. Oh, hop, hop, hop. Ben voilà, j'ai été perturbé pendant le raid. Coucou, salut tout le monde, bienvenue à tous, merci pour ton raid, Laori avec 215 personnes, merci beaucoup, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien, le live s'est bien passé, vous avez coulé du bateau, enfin, merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci Roval pour le follow, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bah nickel, tranquille, écoute, on est parti. On commence les bêtises, comme tu vois. Et c'est parti. Voyez, on va manger, bah oui mon ami. Si j'arrête mes conneries, tu me fais pas l'électrocuter avant. Hop. Un peu d'eau.
Du coup, on va faire un petit récap le temps que mes vermicelles fuient, mes champignons pareil. J'ai déjà préparé ma farce. Je commence à préparer ma farce pour les nems. Du coup, du porc, des oignons, carottes râpées, sauce nyoknam, un peu de sauce soja, un peu de piment, de sel, de poivre et de l'ail. Vous verrez tout ça, de toute manière, la vidéo, je vais la mettre sur, sur YouTube ce week-end. Avec plaisir. Je me suis préparé un peu de poireaux. Je vais pouvoir refaire une carotte en attendant. Mais on va voir. La recette, c'est pas bien ça. Hein. Hop là. On va pas je l'ai dit ce midi, faut que je fais la passoire pour ce soir, j'ai oublié. Combien de écrans. J'essaie de faire un petit thème en plus là pour respecter un peu le pays d'origine de ce que je cuisine ce soir. On va. Du coup, je peux réduire ça, mais c'est ouf. En tout cas, merci à tous, merci d'être là. Merci pour les follow. Et bah ça y est, la barre des 192. 192, ça y est. Aïe. Alors, mes vermicelles sont bonbons. Bonjour Hermod, on est là, c'est une vraie torture, on peut jamais goûter. J'espère que t'as fait du café Hermod, t'en veux un? Je t'en fais un. On va refroidir un peu. C'est pas folle. De robinet, parce qu'en fait simplement ça c'est mon robinet d'eau de vivre et ça c'est une fontaine à eau. Et la fontaine à eau, du coup l'eau est tellement meilleure que bah, je finis de rincer avec ça, comme ça au moins c'est un peu plus clean. On entend faiblement ou c'est moi? Vraiment on top les deux écrans. Tu m'entends faiblement? Faut que j'augmente le son du micro? Ou c'est peut-être parce que je suis trop loin? Attends, je vais essayer de régler le micro. Hop! Faut augmenter le volume. Et là maintenant, comment ça... Salut Facatia! 59-650. Oh, 59-650, c'est où? Ça me parle ça. Dans le nord, c'est 660, c'est merveilleux, ça j'en suis sûr. 650, c'est quoi, pas? Il y a mon père qui est arrivé et qui va du coup de Villeneuve d'Ascq, c'est ça. C'est ça. Mais en plus, on s'est parlé il y a pas longtemps. C'est Villeneuve d'Ascq. Bah ouais, c'est juste à côté. Mais ça, on le dit pas. Ah, les gens, ils ne savent pas où j'habite et c'est très bien. Allez. Chaud,
Allez, on y va. Ranger le couteau. Celui-là, il coupe très bien. Parce que je l'utilise très rarement. Bon, je prépare beaucoup de farces, mais de toute manière, là, je vais pas en faire beaucoup ce soir des mêmes. Sinon, on en a pour un moment. Voilà. Hop, ça, je vais le réserver sur le côté. Demain, tu fais un petit bouillon, tu sais, tu prends un petit cube. Bon. Après, c'est pas un vrai bouillon de poule, hein, mais tu prends un petit cube. Petit cube bouillon de poule, tu mets ça dedans. C'est vraiment super bon. Et comme chez moi, il n'y a pas de... On évite un peu le gâchis. Ça va, mon chat? Il y a le chat qui est arrivé. Merci. Merci là-haut. Merci à toi pour tes bits. Je rigole parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je me suis fait un peu prendre à mon propre jeu. Le remplissage de verre. J'ai complètement oublié que j'avais mis ce verre en bas. Voilà. Rempli de verre. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Attends, je vais essayer. Comment tu fais? Tu fais des cœurs comme ça? Comme ça. Je sais pas si on va me voir. On voit pas. Là, comme ça. Voilà. Hop. Esponge. D'ailleurs, je vais la laisser ouverte là. Ça, ça m'embête, j'en ai plus besoin. Hop, la vaisselle. La thune. Merci beaucoup, merci, t'es adorable, merci à toi. Alors, les champignons, ils vont bientôt être bons. De toute façon, c'est un quart d'heure, mais c'est surtout pour la partie centrale. Mais ça, c'est pas grave pour ce soir. Je vais vraiment utiliser l'externe, l'extérieur. Oula, on chope le chat. Ah, bien mon chat. Alors, les Nemo chat. Pour ceux qui le voient, le chat. Hein, les Nemo chat. Nemo ça. Avec la sauce égo douce, un délice. Je vais fermer Chatty parce que du coup je vois pas ma deuxième webcam. Et du coup je dois m'en laver les mains. Bon, il a arrêté mon chat avec moi, de toute façon. Une fois par semaine, il a la douche. Il a droit à une douche une fois par semaine. Alors, mes petits champignons. Je vais moucher un coup. J'ai fait un petit coup de froid tout à l'heure. Eh ben le verre il est plein, je vois ça maintenant que j'ai reviré Chatty, le verre il est plein. Ma petite coupure. C'est Darvo au boulot, ils vont se demander pourquoi tu rigoles tout seul encore. Aïe aïe aïe. Du coup je profite qu'il y ait tout ce monde. Je vous refais part du giveaway qui est en cours pour gagner plus de 100 euros de cadeaux. Vous avez les images, le lien. Et puis, ce petit multiplicateur qu'on m'a conseillé de faire, n'hésitez pas. Bon, au vu de la hauteur de ma chaîne, je suis obligé de réserver ça, malheureusement, aux personnes qui s'abonnent à la chaîne. Mais n'hésitez pas, si ça vous donne envie, si vous avez envie de participer, ben voilà, hein, allez-y. Ça va le chat?
Je vous jure que je fais tomber un truc à terre, le chat, il... Je fais... Hop. Non, il n'y a rien qui tombe, ça ne va pas. Allez. Là, c'est bon pour les champs pipi, les nions, nions, nions. Hop, pareil. Et après ça, la farce sera... Ah, c'est vrai, mon hachoir, les pétrés, merde. Je vais en faire à la main. Je crois que tu gâtes, c'est vrai. Bien. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je bosse seul. Bon, voilà, comme ça, t'es pour moi. On va prendre un autre torchon. Le torchon qui est pour les préférences. Éponge, toi. Ouais, t'éponge. Enfin, moi, j'ai des torchons, mais ils épongent pas, ça m'aide. Passe à la maison, je te prête le mien, il est neuf. Ouais, bah ouais. Mais non, regarde, t'auras plus d'excuses pour pas cuisiner, cousin. En plus, je dis cousin, parce que c'est vraiment un cousin. C'est le cousin de ma femme, donc, ouais. Allez, on va retirer ce qui est... Dégueulasse. En tout cas, la musique est très bien, merci là-haut. J'entends là, ouais. Sur le PC. Et je me suis dit, vas-y, je laisse une heure. J'aurai le temps de tout préparer et tout, tu sais. Histoire de... Histoire de pouvoir tout mettre en place, le matériel et tout. Bon là, je lâche grossièrement. Choix en panne. Enfin, j'en ai un, mais là il est vieux. Un cadeau de mon grand-papa. Moi, je devrais faire ça avec l'autre couteau, mais là j'avoue que ce soir j'essaye de lire en même temps que je coupe et j'ai pas envie de me tailler un doigt en live. Bon, c'est pas comme si c'était le premier doigt que je me taille, hein. Hop, voilà. On va pas plus bas. Ah, on va rappeler les ingrédients de la farce. Chair de porc. Bon là c'est du chair porc bœuf parce qu'il n'y avait pas la... Il n'y avait pas de porc tout court où j'étais. Mais c'est pas grave. C'est pareil pour le peu de bœuf qu'ils mettent. Ça va pas se sentir. Hop.
tombe à côté. Carottes râpées, oignons. De l'ail. Un petit peu d'ail émincé. Au niveau des sauces, sauce nyoknam, un peu de soja, un peu de piment doux, sel, poivre, un œuf, vermicelle, de riz et champignons noirs. On est parti. Je voulais un Big Mac, j'ai des trucs en cadeau que j'ai même pas encore pu aller profiter. En plus, alors tu gagnes des trucs avec les bazars Monopoly et tu peux en utiliser qu'un à la fois, tu vois. Donc 2 cuillères de sauce Nyoknam pour, bah, bon, pour 250 g de farce. Hein. Enfin, de chair d'hachis de base. Alors, l'idéal. Pour ça, normalement, c'est de lait chine, de porc haché. Prenez dans les chines. Voilà. Hop, ça j'adore, ça me prend un bouillon demain. Hop là, petite chair. La farce pour les nems. Allez, on met ça au frigo. On va nettoyer un peu ça. J'ai mis quelque chose. Hein. J'ai le frigo, il est blindé. Je vais vous montrer. Je nettoie ça et après je vous montre ce que j'ai dans le frigo. Il y en a qui savent déjà et j'espère que tant que je nettoie un peu, ils ne vont rien dire. Donc Christophe, t'es là. Où est-ce que j'ai mis mes champignons de terre? Mes vermicelles sont là. Hop. Bon, ça, c'est mon fils. Voilà. Donc ça, demain, un bouillon. Une demi-bœuf dans le frigo. Oh, mon ami, je te jure, je pourrais. Et j'ai pas un grand frigo. Hein. J'ai pas un grand frigo. Bon alors, là je profite qu'il y ait du monde. C'est le premier live que je fais, on va dire un peu plus officiel, moins à l'arrache, avec les deux webcams. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment vous le sentez? Les deux points de vue, ça vous plaît là. Allez, je vais vous montrer ce qui me prend beaucoup de place au frigo. On le voit pas? Non, on le voit pas encore. Hop, c'est mon ami Christophe, qui m'a fait, j'ai failli faire une grosse connerie, avait fait mon adresse affiche en live. Hop. Mon numéro de téléphone, donc à faire, on va éviter. On va cacher le mien du copain. Hop. Oui, c'est... En fait, je suis con. J'avoue que... Voilà, on va faire comme ça. J'ai pas compris. J'ai rien compris, du coup. Elle est mise, hein, pourquoi? Voilà. Allez! On est parti. Voilà ce que mon ami Christophe m'a envoyé. Que j'ai reçu hier. Je suis pas sûr que vous êtes prêts, les gens. Et c'est ce qui me prend énormément de place dans le frigo.
Regarde-moi ça, copain. Regardez-moi ça. Avec un joli quart de jambon. Frais. Ça a été. Voilà. Tout beau. Ça, c'est bon, ça. Et ça. Aïe, 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 aïe. Donc là, j'ai du fumé. J'ai du saucisse fromage de chèvre, du poivre, du pur porc. Là, Noël. Taureau. Aux noix. Au bleu d'Auvergne. Et ceux-là, c'est mes préférés. Je les emballe parce que ceux-là, c'est une tuerie. C'est à la provençale, mon ami. Aïe, 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 aïe. Donc là, ils sont en mode. En mode, on va les laisser encore. Ils sont tout frais. Vive le cholestérol. Ah oui, mais attends. Là, mon ami, je suis désolé. Hein. Cholestérol, je peux te dire. Enfin, je mange pas ça en un mois non plus. Hein. Hop. Mais voilà. Voilà, 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 voilà. Passer un petit coup là-dessus, quand même. Et le chat, il va vraiment finir en M, je vous le dis. Et super. Allez. Allez. Hop. Maintenant, on va t'attaquer à notre poulet. Pour les nouilles, on va laisser un peu prendre. La farce des nems. Comme tout à l'heure, on avait réservé un peu d'ail. D'oignon là dedans et on va préparer notre poulet. Hop, prendre deux beaux blancs. Hop là. Alors c'est des blancs bio, Isa, on appelle ça. Ils sont pas nés, pas forcément nettoyés. Et puis surtout que ils sont ensemble. Voilà. Ça va peut-être faire beaucoup tout ça. Hein. Ça va peut-être faire un peu beaucoup. Si j'avais su, je les aurais préparés avant. Hop. Je vais défoncer le... l'aiguillette. Et dedans, hop. Plein de petits morceaux d'os. N'inquiétez pas ce qui est au-dessus, juste la peau. Hein. Hop. Salut mon Cédar, bon courage pour le boulot. Lui, je vais peut-être pas le faire, ça va peut-être faire beaucoup. Je vais le remettre dans la boîte. Je vais les mettre après.
Je congèle. Hop. Voilà. Hop, sa poubelle. J'aime pas voir ça là. Ouais, normalement vos blancs de poulet sont pas aussi crades que ça, hein. Qu'est-ce que c'est? Allez. Allez, viens. Hop. Ouais. Je vous jure, je fais tomber un bout, laisse tomber le chat. Hop, ça en va prendre deux. On est bon. Non, il y en a encore. Il y a un air. Hop. Allez, on est parti. Les morceaux pas trop épais. Ça, ça récupère vite. Là. Il y a un air. Hop. Hop. On le voit pas lui là. Ça, c'est on le voit ou on le voit pas lui? Non, on le voit pas. Mais, je vous jure, il y a un mec qui est. Je vais tomber quoi que ce soit là. Ça.
Donc là, on a mis un peu d'ail dans le fond. Avant de les oublier. Où est-ce qu'elles sont passées? Elles sont là. On va y mettre les graines de sésame torréfiées. Pas trop. Ça, vous ne voyez pas. Putain, magnifique. Pas mal l'œil. On va prendre ça. Et ça, c'est pour après. Bon, après, c'est une marinade classique. Hein. Ça, c'est soja. Deux, trois, quatre. On est généreux. La sauce d'huître que j'ai pas ouvert. J'ai dit que j'allais l'ouvrir. Hop. C'est la plus dure. Hein. Hop. Voilà. La sauce d'huître, deux bonnes cuillères. Voilà. Je peux la bouffer comme ça, ça. Vraiment, t'es bon. J'ai plus de place au frigo. Voilà, comme ça, c'est fait. Un peu de piment doux. Alors ça, c'est à votre convenance. Parce que je peux pas trop. L'estomac, il aime pas trop ça. Un peu de sel. Un peu de poivre. Ça, pareil. Hein. De toute manière, l'assaisonnement, c'est au goût et couleur de chacun. Leur problème, parce que on a chauffé l'eau. Voilà, hop. Du coup, voilà la marinade. Voilà mon poulet. On va réserver ça au frais un petit peu. Le temps que ça marine. Alors, vous pouvez préparer ça une bonne heure avant. Hein. Comme pour la farce, mais même c'est pareil. C'est même meilleur le lendemain, mais bon, c'est comme le couscous. T'es sérieux le chat là? Un tiroir, ça y est. Et en plus, il me shoot. Sortir ses nouilles. Allez. Pchit. Allez, Alex. Alors moi j'aime bien celle-là. La marque Carrefour. Elles sont très bonnes. Voilà. Et on va préparer ces légumes. Non, j'ai d'autres choses à faire avant. Beaucoup d'autres choses à faire avant. On va préparer une carotte. Un esprit mal tourné. C'est moi. Hop.
qu'on fait mieux des carottes, on verra bien la quantité que ça va donner. Ça va aller, vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Ça n'a pas de Carrefour chez nous. Eh ben écoute, sinon, bah, Auchan, Intermarché. bah, Carrefour, c'est national quand même. On a partout en France. Bah, sûrement. Carrefour, il y en a. Alors, on va couper ça en petite julienne. Moi, je fais un peu tous les... un peu tous les dimensions. Voilà. Et là, on est entouré de vaches. Ça y est, ma popo est partie dans le troll. Tu prends des œufs, de la farine de blé et puis tu fais tes nouilles. On va faire des bêtises. Voilà, il me servira pour après. Ça va dedans. Ça, il s'ajustera après. Je te laisse, mais je vais chez le voisin, mais je laisse tourner le live. Mais super ta cuisine, merci mon ami, merci à toi. Bonjour à Nico de ma part. Et s'il te plaît, charge doucement. Des fois, traverser la route, c'est compliqué. Hein. Tu fais des bêtises, Tessia. Ah, désolé. Chuck fait des bêtises. Une musique. Comment ça se passe? Et ma carotte qui se casse la gamelle. Oui. Non. Allez, on est parti. Oh, hop là. Surtout pas de lumière chez nous. Ah merde! Mais c'est la journée des... c'est bon merde aujourd'hui? Dis-moi. Allez, mais t'étais dans qui toi? Hop. Voilà. Lucas, s'il te plaît, on t'entend. Merci mon grand. Même si on l'entend pas, c'est pas grave. Hey, mais j'ai plus le truc devant les yeux là. Le retour. Hop. Allez.
Hop là. Voilà. Les carottes sont faites. Les poireaux maintenant. Moi j'aime bien utiliser le vert du poireau parce que. Ouais, et moi tout se mange dans le poireau. Il y en a, ils le jettent ça. C'est ouf. Par contre, le vert un peu trop foncé. Ça, ça risque d'être un peu trop fort. Voilà. Poireau d'hiver, bah c'est du poireau d'hiver, mon ami. En avance. Quoique. Non, j'ai dit une connerie là. C'est pas du poireau d'hiver ça. C'est, vous savez, c'est. C'est ça d'un mec, c'est. Je suis parti, mais j'adore le poireau d'hiver. C'est mon coco. Mon coco. Mais qu'est-ce que je fais? Hop là. Tac. Bon, ça c'est de l'accompagnement. Un beau de poireau, tu vois. Hein, mon chat? Quand t'as grave de cuisiner, maintenant, quand t'as un chat, c'est que t'as un chat. T'as un chat à côté de toi qui reste avec toi. J'en suis où? On va faire ça. Hop. On n'est pas sûr que donc je fasse du montage dans la vidéo de YouTube parce que sinon ça va durer des plombes. Ou je laisse tout, puis les gens ils avanceront. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Hop, voilà, ça pour demain. On va chercher l'oignon. N'est pas à parler les gens. Moi, les retours c'est hyper important pour moi. Voilà. Alors, ça, les oignons. Par contre, moi, j'aime bien les préparer auparavant. Ils commencent déjà à prendre. Prendre le goût, hop, voilà, ils vont cuire plus doucement tout à l'heure. J'ai
Voilà. Je vais vous abandonner 4 petites minutes. Tant de faire un truc que j'ai oublié très important à la chaudière, et je vais m'en rappeler. J'arrive tout de suite, bougez pas les gens. C'est une petite pause de 4-5 minutes, à tout de suite. Excusez-moi. Puis après, on attaque les choses sérieuses. Et recoucou les gens, nous y voici, nous y voilà. Il moins de 4 minutes. J'ai fait une même soupe en même temps. Je ne suis pas trop actif, mais tu es avec moi en fond sonore. Pas de soucis, cousin. Je vais préciser que c'est vraiment un cousin. Donc, je vais bouger ça. Donc ça, tranquillement, ça va rester là. Là. Et on va entamer la phase délicate. Est-ce que ça passe? Oui, on va faire. Hop. Le façonnage des nems. Il n'y a rien, vraiment de rien compliqué là-dedans. On prépare de l'eau chaude dans les billets. On voit bien, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Windows. Qu'est-ce qu'il me dit? Z-Even, ton t-shirt 2021 est en route. Eh. Event. Merci, il est là,
Il est là, le t-shirt Zed Event. Je vous rappelle ce site de ouf, Derry Figurines. Avec le code TIGAL à votre inscription, vous allez recevoir un mail avec un code promo de 3% des 30 euros d'achat. Donc à l'inscription, vous tapez TIGAL en bas, parrainage TIGAL, et puis vous recevez ce code par mail pour votre première commande, livraison gratuite des 60 euros d'achat. C'est un site très dangereux. Surtout quand vous avez un fan d'Harry Potter à la maison et que vous voyez tout ce qu'il y a sur le site, c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Et du coup, grâce à... avec une participation de leur part, je peux vous faire gagner... Enfin, je vous fais gagner ceci actuellement. Plus de 100 euros de lot à gagner. Avec le partenariat de Derry Figurines. On prépare l'eau chaude. On va chercher la farce. Ah ouais. Mais ça, c'est pas beau. C'est pas beau, dit. Elle est pas belle. Normalement, alors, là, elle glisse un peu. Mais elle est prise, quoi. Avec l'œuf, ça va lier à la cuisson. Parfaitement. Allume un flamme. On va mettre chauffer l'huile. Alors moi je mets de l'huile d'olive. Mets de l'huile. De l'huile de tournesol. J'ai oublié quelque chose. Elle est où? Elle est où? De l'huile de sésame. Ça va parfumer un peu l'huile. Ça va mettre une odeur dans la maison. Là, on va commencer à avoir faim. Voilà. Si tu peux passer. Je te cache, chérie, je te cache. On ne te voit pas. Ma femme ne veut pas être vue. Toi, t'es là, on t'a vu. Dis bonjour à ton cousin. Il y a JF. Il fait garaf. Il y a un minéron dans le coin. Ne l'aurais-je pas. Ouais, c'est mon fils. Lucas, viens ici. Viens ici. Et on va mettre chauffer l'huile en attendant. Regardez, ça c'est un difficile. Hein. Ouais. Bah, on voit. Hein. Ah, je me vois, c'est où? Bah là, c'est toi. Oh, ma peau. Mets ton masque. Ah ouais. il voulait passer depuis tout à l'heure. Ah, coucou. Allez, zo. Ok. Voilà, il est passé. On coupera ça au montage. Moi, c'est à moins de 18. Hein. Un plus de 18, pardon. Je parlais du chat. je l'ai fait vert tout à l'heure déjà, le chat. Et gros, tu vas faire des nems. Salut, Condiaronc. Bienvenue à toi. Merci pour ton follow. J'espère que tu vas bien. Allez, donc là, je mets chauffer. Allez, pas un feu fort, un feu moyen. On commence déjà à sentir les odeurs d'huile de sésame. C'est vraiment dingue. Allez, on va commencer le même. Comme ça, c'est fait. Celle-là, elle était cassée de base.
trop fragile ces feuilles, dis donc. C'est très fragile. Faut faire gaffe. Il prend une minute. Déjà, hop. Allez, on les prend dans l'eau chaude. C'est mes doigts. Pour la faire amollir un petit peu. Hop. Par contre, la première fois que je suis avec cela, je suis déjà pour vous dire que je suis pas très fan. On met à plat. Ça vient l'eau. Salut Lucas. Ouais, c'est ça. Vous savez, le pire dans l'histoire, c'est que tout ce que je vous prépare là, ce soir, il n'y a que mon père et moi qui allons manger, parce que ma femme, mon fils n'aime pas. C'est ouf, hein. Allez. Alors, on va faire des petits nems. Voilà. Allez, on met la farce. On vide l'air. Ah. Le bon bout n'apprécie pas des masses la feuille. On vide bien l'air. Sinon après, ça gonfle. Et ça déclare. On va changer de planche parce que... Ah la blague, je l'utilise pour mon PC. La blague, on va continuer là-dessus. On va les mettre. Hop. Ok, elle est craquée, mais non. Allez, on continue. On va faire trois chacun. Le reste de la farce, ça sera pour moi ce week-end. Voilà. Elles sont vraiment spéciales ces feuilles, hein, dis donc. Alors, elle est bon, elle est bonne, elle a pris 8. Donc, on fait notre boudin, on vient replier, on chasse l'air, toujours. Par contre, ce qui est très délicat avec ça, c'est qu'une fois que c'est collé, chasse l'air, hop, là où elle se casse. On va devoir les doubler. On va devoir les doubler. C'est pas grave. Allez, on continue. Lucas, on t'entend. Ça, c'est le côté le plus long. Farcir un nem. Il a pas osé. Oui, il a osé, bien sûr que si, il a osé. Pourquoi j'oserais pas? Allez, hop. Elle se part. Chasse l'air, toujours. Voilà.
tu me vois les choses là. Bon. 140, 150 degrés, lui, pas trop chaud. Ça étend de cuir à l'intérieur sans cramer l'extérieur. Là, du coup, la part n'est pas cuite. J'ai bien écouté une fois une recette où la personne faisait cuire la part avant de la mettre dans la... C'est une galère après à faire. C'est cuit, c'est dur, c'est. Ça peut être un kiff à faire. Vous pouvez me retrouver maintenant, j'ai créé un Twitter ce matin. Voilà, vous me retrouvez sur Twitter. Je tentais pour les lives de préparer, de dire à l'avance les ingrédients qu'il faut pour la recette. Bon, j'ai pas fait le Discord. Moi, Discord, c'est un... Voilà. Discord, c'est un endroit où tu parles avec les potes. Ça fait des heures qu'il est en cuisine, tu rends compte, tu rends compte pour manger un truc en 5 minutes. Lucas, s'il te plaît. Je ferai les live cuisine à midi comme ça, lui il y a la cantine et je serai tout seul. Voilà, fait les pains encore à moyen. C'est clos, là, c'est chaud. On commence vraiment à sentir. Là, je suis à 4, on va encore en faire 2. Et après, on les double. On va les doubler en. Regarde bien que je vais plus avoir deux choses. Quand t'as déjà une fois, j'ai déjà oublié. Ça, c'est le côté cool de ma vie, ça. J'ai marre un truc, je fais deux choses en même temps, puis après, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire hier? Bon, ça colle un peu, c'est normal. Hein. Donc, c'est normal, c'est de la galette de riz. C'est du sec. Oui, on n'entend pas, t'en fais pas. Merci. Shizu. C'est Shizu ou Shizu? Dis-moi. C'est je sens que là-haut dit Shizu. Keke, elle dit aussi. Shizu, merci. Ouais, j'espère que ça vous plaît. Ah bon, ça réagit pas beaucoup. Hein. Ça réagit pas beaucoup. Bon. Il y en a diront, ouais, la farce, il l'a pas goûté. Non, c'est vrai, je l'ai pas goûté. Mais je la fais tellement souvent. Que j'ai plus besoin de goûter. Ouais, toi, je suis bon quand même. Hein. Hop. Je vais essayer de rattraper la feuille parce que là, c'est plié. Hop, là. Pour le dernier, forcément. C'est pas grave, de toute manière on va les doubler parce que tout à l'heure ils se sont cassés. Je les double toujours parce que moi je suis quelqu'un de gourmand. Ça, pour demain, je vais prendre un petit pot. Alors.
normalement. Donc ça, normalement, c'est encore bon, il n'y a pas de souci. Donc ça reste au frais. J'ai quand même goûté. Laisse tomber, t'as un propin. Je te dirais bien, tu connais l'adresse. Ah, j'ai que 6 mêmes. Après, il va y avoir les nouilles, il y en aura assez pour tout le monde. Tant que t'as la route, normalement. J'allais chercher quoi? Mon film, comme ça. Je mets ça après tout de suite. Voilà. Petit nem avec des nouilles. On va faire un petit bouillon. C'est vrai que j'aurais pu faire un bouillon aussi. Mais là, franchement, on est parti pour un stream de 10h. C'était pas prévu. Et c'est vrai que petit bouillon de poule. Après, voilà. On a deux techniques. La technique cheveux de bouillon maison. Et la technique, je prends les cubes, je mets dans l'eau chaude et ça fait un bouillon. Ça fait très hôpital quand même. Hein. Hop là. C'est vite. Hop. Là. Donc il y a de l'eau, on l'étale bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non. On va faire ça bien. La pomme est déjà faite. Là, ça s'est déchiré. Voilà. Surtout chasser l'air, pas trop d'eau qui doit rester. De toute manière, la galette va le boire. Et c'est surtout pour après dans l'huile, en fait, pour éviter que ça t'éclate à la tronche. Dis, on a tendance à dire ou, mais en fait, c'est plus e proche du u. Mais en français, on a tendance à dire ou, donc je suis pas choqué. Alors, c'est un e proche du u. Et je vais le tenter. Hein. Chizo. Merde, j'ai. Oh merde. Ouais, ma galette. C'est mort. Elle est pas récupérable. Ça. Je te dirai à l'oral. Oui, mon ami. Pas de soucis. Je tourne un café, s'il te plaît. Comme ça, je sais où on me donne rendez-vous. J'aime pas le gâchis. J'aurais pu en faire autre chose, j'aurais pu en faire une chip, j'aurais pu en faire un truc. Là j'ai pas vraiment. Et le temps, ça fait déjà 2 heures de live. 1h56, mon demandeur. 1h56 et 20 secondes de live. C'est un moment. Shizuka. Ça te va comme ça? Shizuka. J'aime pas écorcher le pseudo parce que j'aime pas qu'on écorche le mien. C'est combien de fois j'arrive sur la live et puis la personne elle me dit à Igual. Non, désolé, c'est Tigal. Tigual, j'aurais mis un U. Voilà. Allez, encore 4. Et après, on attaque la cuisson et les nouilles.
Alors, je vais faire la cuisson des nems, mais je vais faire la cuisson des nouilles. Donc, tant que ça frit, on aura le temps de voir. C'est pour ça que c'est, ça va être cool, les deux caméras là-bas. Après, après j'ai une heure de rangement. Je rangerai ça tranquillement après bouger tout à l'heure. Excuse-toi, là-bas. Maman, tu peux la régler. Là, j'ai pas le temps. Est-ce que tu peux régler ma montre? Non, parce que déjà, je sais plus comment on fait. Et que... Pourquoi? Papy, il va le faire. Ah bah bravo. Bah maman, elle sait le faire, non? Non. Allez, bah là, je t'occupe. Ok. Excusez-moi, là. Allez. Toutes les excuses sont bonnes. Hein. Toutes les excuses sont bonnes. Allez, hop. Hop, 3. Sinon, je fais comme là-haut, je t'appelle Kéké. Voilà. On a trouvé un compromis, mon ami. Voyons encore deux. La phrase que mon fils a horreur d'entendre la semaine. Lucas, on va pas oublier de faire la litière du chat avant de partir, hein. On va voir si je vais le faire. T'as voulu un chat. Tu vas voir quand tu vas revenir lundi, ton chat, où il va être. Si vous vous posez des questions. Ils sont en M lundi. N'aime-toi. La garçon est go douce. Un délice. J'ai oublié d'acheter une salade. Inadmissible. Prochain stream lundi. Non. Là, je vais essayer de faire un par semaine au moins. Je vais essayer, hein, parce que bah, c'est pareil. Hein, ça dépend si la fatigue, la santé, tout me le permet, on va dire. C'est la possibilité. Puis on va voir après comment. Voilà, déjà là, il y a deux vidéos sur YouTube. Une faite complètement à l'arrache, celle-là, on va dire un peu plus sérieusement. On va voir ce que ça donne, on va voir les retours. Puis, si les gens souhaitent qu'on continue l'aventure, ben, on continue l'aventure. Hein. Moi, c'est avec plaisir. C'est même plaisir, tu le sais, moi, la cuisine, j'adore ça. Hein. Je suis pas un professionnel. Non, je suis pas un professionnel, mais c'est ce que j'aime. Et tant que c'est bon et que ça plaît à la fin, c'est le principal. Pour le moment, il doit être un peu... Du coup, mise au ralenti. Alex, eh, vous le voyez là-bas? Vous le voyez, le chat, là? Et dans l'actel, ben mon ami, ouais.
qui vient gratter mes champignons. Il n'y a rien que t'aimes bien. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Écoute, là, moi, passer 2 heures en cuisine, ça ne me dérange pas. Lucas! Je vais mute le micro 2 secondes. Je reviens tout de suite, ne vous inquiétez pas. J'en ai pour longtemps, bah. Petite demi-heure, c'est cuit. Je peux verser l'apéro à mon père. Mais juste après conduire. Alors, hop, Thibaut. Allez, ça colle au doigt. Hein. Il veut pas. Hop là. L'heure n'est pas bon, si, quasi bientôt. Alors, l'heure est bon. On va préparer le wok. Petit wok. Vous pouvez le voir. C'est une chose sérieuse. Je l'ai depuis des années. Je vous jure, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vois. Il semblerait que je me fais un peu lâcher sur les gâteaux à Pérou cette semaine. Ah. Ça, ah. Oh, ça a l'air de toujours fonctionner. 100... Allez, entre 160 et 180 degrés. Ça fait 170. Quoi. Ça, je l'utilise pas. Bah non. Bah non, bah non, bah non, bah non. J'ai oublié de cuire les nouilles. C'est un peu ballot. Hein. C'est un peu ballot. On va mettre son huile là. Voilà. Les nouilles ne vont pas se barrer. Ça sale. Chauffer l'eau. Sans chauffer, il n'y a pas de danger. La vaisselle. Petite tasse sympathique reçue en cadeau par. À chaque fois, j'en parle. Voilà. Des figurines. Sympa. J'aime bien. Encore merci. J'ai vu, hein. Toujours un petit cadeau avec ta commande, c'est sympa. Bah, j'ai reçu ça aussi. Voilà. Tapis de souris. Et ils ont... Toujours sympa, le petit geste, le petit message. Toujours partage le lien. Ça mange pas de pain. La chaude. Juste attention avec l'huile à côté. Voilà. Quoi? Il a pris? J'ai rien fait.
Mais qu'est-ce que tu fais? Il est mignon, mais c'est un petit petit breton. Chercher mes nouilles. Faut le soutenir entre nos deux. Ah bah, hé, regarde, j'ai entendu un modo tailler un autre il y a quelques jours de ça sur le vote qui est en cours sur les awards de chez Lao. Et comme il a taillé, il a dit « Ah, il dit on ex-aequo, je suis devant toi. » Du coup, j'ai été retiré mon vote que je lui avais mis. Il était deg un peu. Non, Nubi! Le Nubi! Il était deg. Bon, allez, ça, c'est 4 minutes. Allumer mon gaz à côté, c'est pas bien. Hop. Une chaîne pour l'hydratation, parce que j'ai une soif, mon ami. On va mettre chauffer le wok. On va commencer la cuisson des nems. Je vais inverser les casseroles. Hop. Je fais bourrin. Voilà. On se connaît avec Nubi, c'était pas méchant. Ouais, non, mais je sais bien. Je sais bien. Mais du coup, ça m'a bien fait rire quand il a sa réaction, tu vois, quand j'ai retiré mon vote. Sur moi, j'ai pas été drôle, hein. Si vous regardez, moi, j'ai voté pour tout le monde. Je crois que j'ai même voté pour moi, j'ai pas fait gaffe, en fait. Alors. Dans le fond du wok. L'huile de sésame. Un poquito d'huile d'olive. Pour le gras, c'est la vie. Et surtout pour huiler le wok en lui-même. J'espère qu'il chauffe encore. Ouais. Je pourrais vous montrer mon chat. On va vite fait faire. Ah, regardez là, lui d'abord. Ah, il est bien lui. Hein. Genre. Ouais, j'ai franchement. J'ai vraiment. Je sais pas qui c'est qui lui a soufflé ça dans l'écouteur, mais c'était vraiment sympa. Du coup, je présume que j'ai peut-être mis un peu trop fort. Non. Attends, faut que ça frit un peu. Ouais.
je mets partout. On va faire une chose à la fois. Ça c'est chaud, ça c'est chaud. Les nems, ça va être trop chaud. On va attendre un peu. Ouais, ça va éclater là si je fais ça. Donc on va attaquer le poulet. Allez, on y va. On met le poulet. Les nouilles sont cuites. On les brasse. On fait attention à sa tête. Tranquillement. Donc là, normalement, pour mes nems, ça va être bon. Donc là, voilà. Si ça éclate, on va très mal. Alex! Normalement, ça ne devrait pas éclater. Hop, allez. Attention à ses doigts. On le met à 4. Donc là, mon poulet va être cuit. Là, on va le retirer. On va le retirer un peu. On a mis le bon petit truc là-dedans. Ça. Voilà. Et ça se barre, il va du coup. Il barre, c'est pareil. On va péter mon colonel. Voilà. On voit pas plus bas. Je dois filer. Bon appétit d'avance. Salut mon cousin. Salut cousin. Au plaisir. Voilà. En fait, ça fait ce que je voulais pas. Un peu trop chaud l'huile, mais bon, c'est pas grave, ça va aller. On va en rajouter un. En fait, ce qu'il faut, c'est faire attention parce que si on le colle, c'est mort et ils vont rester collés. Faites ça chez vous, séparément. Hein. Merci d'être passé, en tout cas, JF. Merci beaucoup. Vous voyez, ça colle. Hop. N'entends plus la musique ou c'est moi?
On va avancer un peu. Allez, on va... Je mettrai le dernier après. Oh, quoique, peut-être pas, ça passe. Voilà. 22 minutes, chérie. Allez. Là, ça ira très vite. On va mettre les oignons. On va mettre ça ensuite. J'ai plus la vue sur les caméras. Voilà. Ah, c'est moi qui n'entends pas la musique. Merci. Elle est loin en fait. Comme il y a le bruit des. C'est vrai qu'il y a le bruit de ça, il y a le bruit de ça. Hop. Voilà, hop, donc ça, ça va bientôt être cuit. Je vous dis pas l'odeur qu'il y a dans la maison, ça sent super bon. Hein? C'est vraiment bon. Ah ouais, là, je peux pas mettre de... C'est pour ça que j'ai ouvert au bout. Quelqu'un qui a fermé la personne, bah ouais. Bonjour mon chat, tu vas pas qu'il s'en va ton mec? Ouais. Tu vas pas qu'il s'en va? Allez. Donc là j'ai mis plus de 115. On va préparer. On est par là. Il va tout finir. Tiens, j'ai bientôt fini, s'il te plaît. Alors, le sopalin, voilà. Alors, mes oignons, c'est bon, pas trop cuit. On va mettre les carottes. Hop. Les poireaux. Hop, on va pouvoir sortir les premiers. Bon là, je vais les remettre cuire après. Ils sont cuits, hein, mais on va les repasser pour pas manger froid. Voilà. On va laisser, hop. Regardez, c'est pas beau ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être là, il y a plus de lumière. Oui, c'est étonnant. Il y a des équipes là. En grève, les modérateurs qui sont en grève, parle de grève. Alors, n'oublie pas les. Pause de haricots. Bonjour. À moi. Le pic de l'étonnage.
en dernier parce que ça, ça va être plus vite. Moi, je les aime bien trop quand. Donc là, mon mélange, un peu trop clair. On oublie ça. Un peu de ça, ce là. Une sauce huître. J'aurais dû la mettre avant, mais c'est pas non plus. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. Hein. Enfin, pas un oubli grave. C'est juste pour mettre le goût, en fait. Allez, hop. Les nems sont sortis. Je vous ramène ça. Cinéma port. Les nouilles. On va sortir. Aïe, faut pas que ça cuit trop. Ça reste un peu croquant quand même. C'est du poivre. Ouh, putain, je me suis planté. Joli plantage, Tigane. Heureusement. Voilà. J'ai ouvert le segment des côtés. Bon appétit, Chino. Bon appétit, côté. On arrive à la fin de la recette, si bien. Les nems sont cuits. On prépare notre omelette. Allez. Ça va tenir les trucs dans mes mains. Désolé les gens. C'est indépendant de ma volonté. Bon appétit à toi, mon ami. Allez, hop.
J'aime bien parce que ça récupère tous les sucs là sur le côté. J'adore. Hein. Vous pouvez la préparer à part, en plancha ou autre. Tranquille. Qu'est-ce que ça morceau après? Non. C'est long, hein? Mais quand c'est long, c'est bon. J'espère personne dire le contraire. Hop. Voilà. Allez, on va remettre un peu d'huile. L'huile de sésame. Non, j'en avais mis tout à l'heure. Mettre les nouilles. Nickel. Donc ça chauffe un peu. Bon, un peu brouillon aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Je suis retombé sur mes pattes. J'ai rien oublié. Pas évident de cuisiner de faire en même temps. Je suis tout seul, je suis avec ma musique. Musique que je n'entends plus par contre. Encore une fois. Voilà. Hop. Allez, hop. Je vais pas aimer ça. Hop. On y va. Sauter les nouilles. Pas bourré cette fois-ci. Sol. Poivre. On y va. Un peu de sauce soja. J'en ai mis tout à l'heure. Voilà. On va mettre la sauce d'huile sur le bord. Là,
ça, on a bien partout. Des petits champignons. Et recoupe toi. Tout madame. J'ai mon téléphone qui est tout plein de gras. Juste devant. Ah, j'ai oublié mes champignons frais. J'étais certain d'oublier quelque chose. Donc hop, bonne boîte de champignons de Paris. À côté. Là. Alors là, t'as peut-être pas vu. Et je te jure, j'ai envie d'en prendre un, de le manger comme ça. Et on continue. Allez, on met le poulet. Voilà. Donc vous retrouvez la recette de plus de ça ce week-end sur YouTube. Moi c'est vraiment pour lequel. Désolé. Je commence à sentir ces 2h30 de live debout. Éliminer ça. On va mettre ça là dans ça. Hop. Voilà. Hop. C'est parti. Cuisiner comme faire des travaux. Cuisiner sans servir, moi je ne sais pas faire. C'est fini toi. Monsieur Sam, il a obtenu le son long. Ouais, c'est long. Je vous l'accorde, mais royalement. Excusez-moi, mon stream deck a pris un peu d'huile. Hop, pardon, je me suis trompé. En train de le nettoyer, je... Voilà. Mais on a fini, mon ami. Voilà. Et là, j'arrête la cuisson. C'est prêt. On va essayer de présenter ça sympathiquement. Une assiette. Hop là. On ajoute l'œuf. Hop. Voilà. Et voilà. T'as besoin de présenter dans une assiette. Lucas, musique, non. Ouais, désolé pour la musique de fond, c'est pas la mienne.
fini, c'est bien. C'est excellent pour aussi, hein. Dans une odeur comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bah, qu'est-ce qu'il fait, le chat, à votre avis? Qu'est-ce qu'il fait, le chat? Le chat, bah, il y a la fois, allez, écoute. Il y a de la cuisine, il y a à manger. De toute façon, moi je suis pas un gastro. On va se faire un peu de place sur le côté. Voilà. Et on a fini. Mon chat. Tiens, gamme. On va faire profiter. Hein. Voilà. On passe. D'accord. Allez. Vous êtes prêts? Moi qui n'aime pas la cuisine chinoise, ça donne envie. Merci beaucoup. Voilà les copains. J'espère que la lumière est bonne, que vous voyez bien. Je vais vous montrer sur l'autre plan. Peut-être qu'il sera meilleur. En tout cas, c'est mon petit Cédar qui m'a demandé cette recette. Voilà, voilà. On y est arrivé. On y est arrivé, les gens, on y est arrivé. Ça a l'air trop bon. Moi qui aime pas la cuisine chinoise, super bien fait. Chapeau, merci les amis, merci à tous. En tout cas, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter... à tous un bon week-end, un énorme merci à madame Lao pour le raid de tout à l'heure, c'est ouf. La chaîne là, on est à 194 follow. Je compte sur vous pour me donner vos retours quand vous voulez. De toute façon, on a moyen de se contacter. Voilà, je vous remercie énormément, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les nouveaux follow, les bits, les abos. Merci à tous. Merci à tous. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite bon week-end, bon appétit, bonne soirée. Puis on va finir sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Des bisous. Ciao, ciao. Un grand, grand, grand merci.